Comfort us, Lord God Almighty. Lord Jesus Christ, and enter into us, Lord Jesus Christ, through your Spirit, that Lord Jesus Christ, you, Lord God Almighty, may dwell in us and us dwell in you. And for that to happen, Lord Jesus Christ, help us, those, Lord God Almighty, that need the Holy Spirit to receive it, Lord Jesus Christ. It is the Holy Spirit that makes all the difference, Lord God Almighty, between, Lord God Almighty, Lord Jesus Christ, the Lord King of Kings, between, Lord Jesus Christ, Lord God Almighty, Lord King of Kings, to be vindicated here, Lord God Almighty, in this world, Lord Jesus Christ, and be redeemed into the living God's, into the living God's wedding supper, yes, into the living God's wedding supper, which you are looking forward to. Looking at the world today, the turmoil that's taking place, and the natural disasters that are happening in every continent around the world, it shows, Lord Jesus Christ, that there's no more time. Here are your children here, Lord God Almighty, ready to go with you, Lord Jesus Christ, when you come. Have each and every one, Lord God Almighty, of us to receive the Holy Spirit. We are surrendering ourselves to you, Lord Jesus Christ, this morning, that, Lord Jesus Christ, you may take preeminence and dominion over all that we do today, that you may fulfill your perfect will. Guide us, help us, focus us, help us, Lord God Almighty, be under the spirit of meekness, spirit of humility, spirit of love, Lord God Almighty, so that, Lord Jesus Christ, we may qualify for the various virtues of the stature of a perfect man and ascend it, Lord Jesus Christ. And when we get to the top, we may be adopted, the children of the Lord God Most High, and be little gods here on earth. We thank you for this blessed opportunity, and we know that you are here with us today, Lord God Almighty. May we show that, Lord God Almighty, by respecting you and doing everything according to what, Lord Jesus Christ, the leaders of the church are making us do. Help us, guide us in that respect. Therefore, Lord God Almighty, you promise that you will bless us, Lord God Almighty, should we do so. We ask for everything through the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 May God bless you richly. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord this morning? May you clap your hand for the Lord Jesus Christ. May we please stand up to praise our Lord Jesus Christ with some songs before we listen to the word of God. We take 135, I'll breathe the heart. Lord my God, when in our summer winter, can I say that you and the heaven? Oh, I see this call, I hear the rolling thunder. The pardon of the universe is there. Blessed my soul, blessed
Your passion and
Power in the blood.
Amen. C'est votre jour de bénédiction. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It's so hot, hein? Il fait très chaud. The Holy Spirit is going to send the fresh atmosphere now. Amen. Le Saint-Esprit va envoyer maintenant l'atmosphère fraîche. Oh, brother, many went to work today. Oh. Frère, beaucoup sont partis au travail. Amen. 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 But Jesus says, mais Jésus a dit, where there is two or three gathering my name, I shall be among them. Amen. Alléluia. Là, il y a deux ou trois qui se réunissent à mon nom. Amen. Les deux. As we believe, nous nous croyons, that is ready. Amen. Il est déjà ici. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. I thank God for your condolences. Je remercie Dieu pour vos condoléances. They told me my cousin died in Europe. On m'a parlé que mon cousin, amen, est mort en Europe. Amen. Amen. Yeah, it's time. Amen. C'est son temps. Amen. 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 We can get shocked, but it's his time. On peut être choqué, mais c'est son temps. Abraham says. Abraham dit. We can be shocked when somebody died without Holy Spirit. Nous pouvons être choqués tout simplement quand quelqu'un meurt sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. But if somebody died with Holy Spirit, mais si quelqu'un meurt avec le Saint-Esprit, we can even feast, we can get even party. Nous pouvons même fêter et danser. Amen. He went to rest. Amen. Il est parti se reposer. But if somebody died without Holy Spirit, mais si quelqu'un meurt sans, amen, le Saint-Esprit, they are suffering. Amen. Ça fait souffrir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We thank God for the testimonies.
Nous remercions Dieu pour les témoignages. Sister Anne-Marie, his boss was in hospital. Sœur Anne-Marie, son boss était à l'hôpital. We prayed here. Nous avons prié ici. The thing passed well. Amen. Et les choses se sont bien passées. He was suffering of prostate. Amen. Il souffrait de la prostate. Let us clap our hands. Acclamons nos mains pour le Seigneur. Yeah. On before yesterday, avant-hier, Brother William is not there. Even his wife, they are not there. Frère William n'est pas là, même son épouse n'est pas là. I told them to come to testify, but they are not there. Je les ai dit de venir témoigner, ils ne sont pas là. Yeah, his wife was suffering. Sa femme était souffrante. No, she's pregnant. Vous savez, elle est enceinte. And it was so tough. Et c'était trop dur. He phoned me at night. On m'a téléphoné la nuit. Say sorry. Deliver even a short prayer. Amen. Il a dit vraiment désolé, pasteur. Fais même une prière. I said, but me to pray before I must feel first the anointing upon of me. Amen. Je lui ai dit avant que je prie, je dois d'abord sentir l'onction sur moi. Because me, I can't pray because we have to pray. No, it's not like that. Moi, je ne prie pas parce qu'on doit prier. Non. Amen. Amen. We can't pray because they call pray. You start to pray. No, you must feel His presence. Amen. On ne peut pas prier parce qu'on a appelé prier. Tu pries. Non, vous devez d'abord sentir Sa présence. Now, I went somewhere. I prayed a lot. Je suis parti quelque part. J'ai beaucoup prié. And I feel anointed. Et j'ai senti l'onction. I said, brother, give me your wife now. J'ai dit, frère, passe-moi maintenant ta femme au put téléphone. The phone in his ear. Mets le téléphone dans ses oreilles. And we prayed. Et nous avons prié. And she phoned me, she's healed. Let us clap our hands. Et elle m'a appelé, elle est guérie. Amen. Pour notre Dieu. He's the God of Branham. Amen. C'est ça le Dieu de Branham. Amen. Amen. The God who can heal. Le Dieu qui peut guérir. Who can bless. Le Dieu qui peut bénir. Who can deliver. Le Dieu qui peut délivrer. Who can fill the people with the Holy Spirit. Le Dieu qui peut remplir les gens avec le Saint-Esprit. That's the God of Branham. Amen. C'est ça le Dieu de Branham. I think we prayed last week now for two sisters. Are you healed? Sister Naomi and Sister Rachel. Je pense nous avons prié la semaine passée pour les sœurs, Sister Naomi et Sister Rachel. Êtes-vous guéris? Let us clap our hands. Êtes-vous guéris? Acclamons nos mains pour le Seigneur. Thank God. Amen. Nous remercions Dieu. Amen. Thus, we believe in this God. Nous croyons dans ce Dieu. Amen. That's Amen. Giving us the faith. C'est ce qui nous donne la foi. When you pray, something happens. Amen. Quand nous prions quelque chose prend place. Brother Branham says. Brother Branham dit. The interpretation of God is His manifestation. L'interprétation de Dieu, c'est sa manifestation. Amen. Amen. I'm saying, you can't come to preach me something. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas me prêcher ou bien venir prêcher quelque chose. That thing. Amen. C'est mieux que vous viviez cette chose-là. I want to see that thing in human being. J'aime voir cette chose-là dans l'être humain. Now I can believe. Amen. Maintenant, je peux croire. This Bible, cette Bible, have to become a human being. Doit devenir un être humain. Amen. Amen. Have to become a human being. Amen. Cette Bible doit devenir un être humain. So somebody can believe. Pour que quelqu'un puisse croire. Amen. Amen. To believe, croire, you have to see the Bible become a human being. Vous devez voir la Bible devenir un être humain. Amen. Amen. Now you can believe. Maintenant, vous pouvez croire. Amen. Amen. But if you only you preach. Maintenant, si vous prêchez, c'est ma prêche. But where is that God you are preaching me? Où est le Dieu là que vous me prêchez? I can't believe. Amen. Je ne peux pas croire. Amen. Amen. Me, I'm so cold. J'ai froid. So cold. Trop froid. Now you come to draw a nice picture of fire here. Maintenant, vous venez faire un bon dessin du feu ici. Oh, brother Anthony, this is the fire. Can you go there? Warm yourself. Frère Antoine, comme tu as froid, c'est ça vraiment le feu, tu peux te chauffer là-bas. It's nice fire. C'est un bon feu. But it's not the real fire. Mais Amen. Ce n'est pas un feu réel. I want the real fire. J'ai un feu réel. Amen. Amen. God answers prayer. Dieu répond prière. Amen. Amen. You know, there's one guy. Vous savez, il y a un monsieur. In Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. They told they were praying. No, in Congo. En RDC, they were praying. Il priait. God, Dieu, give me $100. Accorde-moi $100. God, I perform a miracle for me to get $100. Dieu, fais le miracle pour moi que je puisse avoir $100. There were one brother there aside this was crying God to give him $10,000. Il y avait un frère à côté de lui qui pleurait aussi pour avoir $10,000. Now that one is God give me sorry God give me only $100. I can become a businessman. Celui-là pleurait en train de pleurer Dieu. Amen. Seulement $100, je peux devenir
Un homme d'affaires. Now the guy was praying for 10,000. But this man is telling me he was with the 1,000 in his pocket. Now he said, can you stop to pray? Can you stop to pray? Now he took one under his door, one paper giving it. God is your prayer, go. Leave me now pray. Let us come back. Maintenant, le monsieur qui avait besoin de 10 000 dollars, qui priait aussi, plairait à Dieu, il avait 1000 dollars dans sa poche. Il a dit, le monsieur, si qui a besoin de 100 dollars, non, trop, c'est trop. Il commence à me déranger maintenant. Amen. Monsieur, prends 100 dollars, va d'abord. Yeah, it's God who used that brother, né? Amen. Amen. C'est son frère là. We preach about the angels, né? Nous avons prêché sur les anges. God used that brother. To answer the prayer of that another brother. Amen. Dieu a utilisé son frère là pour répondre à la prière de notre frère. All depend to level of your need. Amen. Tout dépend de votre niveau du besoin. Ask the great thing. Demandez les grandes choses. Not the small one. Amen. Pas les petites choses. Amen. I'm asking God the great things now. Amen. Vous pouvez demander à Dieu les grandes choses maintenant. Amen. Amen. The house, the big cars, the great things. But first, receive the Holy Spirit. That's the great thing first. Amen. Amen. Vous pouvez demander les maisons, des grands véhicules, mais premièrement d'abord le Saint-Esprit. Amen. Amen. Because if you don't have the Spirit, parce que si vous n'avez pas God can give you a lot of money. Dieu peut vous donner beaucoup d'argent. House, des grandes maisons. You become proud. Tu deviens orgueilleux. You start to not to see your wife, start to look at outside. Amen. Tu ne commences pas encore à prendre soin de. Amen. Les yeux. Amen. Amen. That's what we need first to ask the great thing is the Holy Spirit. Amen. Là, premièrement, nous devons demander d'abord la grande chose qui est le Saint-Esprit. Now that blessing is coming up out of the Holy Spirit. Maintenant, amen. Cette bénédiction là vient sur le Saint-Esprit. And Holy Spirit have to use that money, that blessing. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit utilisera cet argent là. Amen. Et cette bénédiction là. Amen. Amen. Today, aujourd'hui, you can't go to heaven without Holy Spirit. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Even if you are president, même si vous êtes président. Even if you are a queen, même si vous êtes la reine. Even if you are the king, même si vous êtes le roi. You can't go to take the aircraft without ticket. Amen. Vous ne pouvez pas aller prendre l'avion sans le billet. It's true, né? C'est vrai, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Your status, we accept it, but where is the ticket? Amen. Oui, votre départ, nous l'avons accepté, mais où your est votre statut? Votre statut, oui, nous l'avons accepté, mais où est votre ticket? Ah, you must get the ticket. Amen. Vous devez avoir le billet. You must get the key to open. Vous devez avoir la clé pour ouvrir. That's we emphasize in our church for the Holy Spirit. Amen. C'est pour cela que nous insistons dans notre église pour le Saint-Esprit. Because you can be sick today. Tu peux être malade aujourd'hui. We pray God heal you. Nous prions Dieu te guérir. Tomorrow, demain, you are jobless. Tu es chômeur. We pray. Nous prions. And God bless you. Et Dieu vous bénit. You can fail today. Tu peux tomber aujourd'hui. We pray. Nous prions. Tomorrow again you fail. Demain tu tombes encore. You continue. Tu continues. As we pray only God forgive. Nous prions seulement Dieu pardonne. The problem is to receive only the Holy Spirit. Le problème c'est uniquement recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. They are calling it what? Inoculation, né? You have to be inoculated with the Holy Spirit. On l'appelle quoi? Inoculation. Amen. Il doit être inoculé avec le Saint-Esprit. Now you have to stop this thing automatically. Amen. Maintenant, vous allez arrêter ces choses-là automatiquement. Amen. Amen. Because it's going to be Himself dwelling in you. Parce que ça sera lui-même demeurant en vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Are you happy? Êtes-vous content ce matin? Today, God is going to bless somebody who is ready. Aujourd'hui, Dieu va bénir quelqu'un. You receive what you expected. Vous allez recevoir à quoi vous vous attendez. When you are coming in this ministry, quand vous venez dans son ministère, you got already 50% of your need. Vous avez déjà 50% de votre besoin. Amen. Amen. Because this ministry comes from God. Parce que ce ministère vient de Dieu. Amen. Amen. This ministry, ce ministère, comes from God. Vient de Dieu. It's not a human being. Ce n'est pas un autre humain. Who say I want to be to preach? No. Qui dit non, je vais vous prêcher. It's God. C'est Dieu. Using a human being. Amen. Utilisez un être humain. We know what you are saying. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. And God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us take the Bible. Prenons nos Bibles. Amen. Amen. For those who submitted the requested, believe you received it also. Amen. Pour ceux qui ont déposé les requêtes, croyez que vous avez aussi reçu. Amen. Amen. John 14. Jean 14. John 14. Father Moses, God bless you. Frère Moïse Balongi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Yes. It's like Kashaj Bazaar. Today others have to come. Next others have to come. Become Kashaj Bazaar. That we are calling Kashaj Bazaar. On ne comprend pas ce qui se passe, ça devient. Hein? Ça, c'est ce qui vient ce dimanche, d'autres dimanches. Hein? Ça Kashaj devient comme le roster, on ne comprend pas. Roster? Non, in the church, there's no roster. À l'église, il n'y a pas l'oreille. In the security, in driving, delivery, that is the roster. In the church, there's no roster. You must respect the day of God, Sabbath of God. Amen. Amen. Vous devez respecter le jour de Dieu, le jour du sabbat de Dieu. Amen. Les rostes, c'est le match. There's no roster in the church. You brother are following me through the social media. There's no rust in this church. Rust is there in security, is there in coverage, is there in deliver. Not in the church. You must come physically. Amen. Vous le frère qui me suivez, si l'internet, il n'y a pas les rostes à l'église. Il y a les rostes à Tchekas, il y a les rostes à security et coverage. Amen. Amen. Here is the Sunday. Is the Sabbath of God must be there. Amen. Aujourd'hui c'est le dimanche, c'est le jour du sabbat. Vous devez être à l'église. Must sacrifice. Vous devez vous sacrifier. Amen. Amen. Without sacrifice, sans le sacrifice, there's no blessing. Il n'y a pas de bénédiction. Do you understand? Vous comprenez? Without sacrifice, there's no blessing. Sans le sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. We are talking about Abraham, né? Nous parlons sur Abraham. God of Abraham? No. Dieu d'Abraham. Is not your God. Ce n'est pas votre Dieu. It must be your God if you do like Abraham. Il doit être votre Dieu si vous faites comme Abraham. Abraham, God said, sacrifice my child, your child, the unique one, he accepted. Dieu a dit à Abraham, sacrifie ton fils unique ici. Abraham a dit, je suis d'accord, et il l'a fait. You can do it. Vous pouvez le faire. Even if you are five like me, are you going to accept? Même si vous êtes cinq comme moi, est-ce que vous allez accepter? Yes, me, I got five. Am I going? Do you see? Abraham was with the lion sacrifice. Comme moi qui ai cinq enfants, est-ce que je vais accepter de sacrifier un? Je ne passe stop pas. Stop playing with God. God, Abraham avait la vie de sacrifier. God have to ask only the thing that is so important in your life. That is asking to you. Amen. God is like this. Dieu est comme cela. Dieu a toujours demandé la chose la plus importante dans sa vie. C'est celle qu'il demande. He knows that Sunday, if you work, you will get double. He knows. That's true. He knows it. He said, only that day you are going to get double. I want you to sacrifice for me. Amen. Dieu connaît déjà toutes les méthodes. Comme le dimanche, on est busy là-bas. Amen. Nous qui sommes dans les maisons. Maintenant, Dieu dit, vous devez sacrifier ce dimanche-là pour venir à l'église. Amen. Amen. God knows that you like your job than him. He can now stop your job. He can tell you, give me only your job. It's finished. God, if you want to see God, they sacrifice. And the greater one, not the little small. No. Amen. Never. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, vous devez faire un grand service. Dieu peut vous voir un grand sacrifice. Dieu peut vous voir que vous aimez le travail. C'est mal le travail que vous aimez beaucoup là. Dieu peut vous arracher cela. C'est ça. First God. Premièrement d'abord Dieu. Abraham asked his wife. Frère Branham a posé la question à sa Meda, femme. Meda. You know I love you too much. Yes, I know. C'est dit que je t'aime beaucoup, oui, je sais. Meda. Meda. Between me. Entre moi. And Jesus. Et Jésus. Who do you love more? Qui aime qui de plus? The question. La question. But Abraham asked his wife. La question que Frère Branham a posé à sa femme. Branham, I love you, you are my husband. But I love Jesus because he died for me more than you. Amen. Oui, Branham, je t'aime parce que tu es mon mari. Amen. J'aime Jésus parce qu'il était mort pour moi. Me, I love Jesus more than my wife. I love Jesus more than my father, more than my brother. I love the word of God because I live the word of God. Alléluia. But to show that you love more than your wife, more than your family. Amen. Moi, j'aime Jésus plus que ma femme. J'aime Jésus plus que mon père. J'aime Jésus plus que mon frère. Tout simplement parce que je vis la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui prouve que vous aimez Jésus. My wife must love the word of God more than me. Amen. Amen. Ma femme. She must love the word more than me. That's the condition. Ma femme doit aimer la parole de Dieu plus que moi. C'est ça la condition. Amen. 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 Because I didn't die for her. It's Jesus who died for her. To get to heaven. Amen. Amen. Je n'étais pas mort pour elle, mais c'est Jésus qui était mort pour Amen. Elle. Pour qu'elle puisse aller au ciel. Hallelujah. Amen. Even if me I backslide. Même si moi je suis rétrograde. She must continue. Elle doit continuer. To show that she loves Jesus more than me. Amen. Pour montrer qu'elle aime Jésus plus que moi. Mais hey,
as my husband told me you have to stop. It means that you love your husband more than the word of God. Je vois mon mari m'a dit, bon, je dois arrêter. Non, ça signifie tout simplement que vous aimez votre mari plus que Jésus. Oh, my husband told me to wear the trousers, the small one. I have to obey, ne? This is a submission. It's not submission. If he tell you like this, divorce with him. Amen. Oh, mon mari m'a dit, je dois commencer à mettre des culottes et des couches. C'est la soumission. Qu'est-ce que je dois faire? Bram said that, si je dis ça, divorce. Or make the bed today. Bram said, divorce. Jesus said that, better for you to go without an arm. If this arm send you to hell, Jesus said what? Cut it. If it's the leg, Jesus said what? Cut it. It's in the Bible, eh? Cut it. Better for you to go without leg than two. To lose the heaven. Do you understand? Go. The word of God first. La parole de Dieu d'abord. Jésus dit quoi? Mieux vaut aller dans le ciel avec un seul bras qu'avec deux bras. Si un autre bras te pousse à faire du mal, il faut le couper. Coupez ça. Do you understand? Yeah. Comprenez-vous? It's hard, eh? C'est trop dur. You must show that you love the word of God more than your husband, more than your children, more than your wife. Amen. Vous devez montrer que more than your family. La parole de Dieu, plus que votre famille, plus que votre femme, plus que votre frère, plus que les enfants. More than your country. Plus que votre pays. Amen. Oh, amen. God first. Dieu d'abord. That we say the faith of Abraham. Amen. C'est pour cela que nous parlons la foi d'Abraham. The faith of Abraham. Amen. La foi d'Abraham. He loved God more than everything. Il a aimé Dieu plus que toute chose. And God blessed him. Et Dieu l'avait béni. Even Brother Branham. Même Frère Branham. This man, cet homme, he couldn't stay one month in his house. Il ne pouvait pas rester un mois dans sa maison. Mais aujourd'hui, every time outside, I divorce. But the sister made us about it because she know I love Jesus more than Branham. Amen. Mais aujourd'hui, une semaine seulement, deux semaines. Ah, c'est beaucoup. Je divorce. Mais sa femme avait était vraiment soumise à Amen. Ça, parce qu'elle avait compris que Branham aimait Jésus plus que sa femme. Amen. Amen. Meda love Jesus more than Branham. Meda aimait Jésus plus que Branham. Do you understand? Vous comprenez? Ah, God bless you. Que Dieu vous bénisse. John 14:18-21. Jean 14:18-21. Sans sacrifice, il n'y a pas la bénédiction. Grand sacrifice, there's no blessing. Grand bénédiction est liée aussi au grand sacrifice. When you need great blessing, you have also to sacrifice a lot. Amen. Amen. 19 à 21. 19 to 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Yet a little while and the world see me more, no more, but you see me because I live, you shall live also. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Wonderful. At that day, you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. 21. He that hath my commandment and keep them, he it is that loved me, and he that loved me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Romans 8:11. Romans 8:11. Amen. Amen. Ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwell in you. Matthieu 5. Matthew 5. 14 à 16. 14 to 16. Amen. Matthew 5. 14 to 16. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verses 14 down to 16. You are the light of the world. A city that is set on in a hill cannot be hid. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, les boisseaux, mais on les met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light unto all that are in the house. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So let me read now too and we stop there. Dear Corinthians. Dear Corinthians. Amen. Amen. Dear Corinthians. To Corinthians. De Corinthians chapter 5. To Corinthians verse 5. Chapter 5. Disons seulement un chapitre. First John. First John. Let us read only. First John. We stop there. 4:4. First John 4:4. Sorry, I disturbed you. Forgive me. 2 Corinthians 3. 2 et 3. 2 Corinthians, sorry. I saw it. 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. Sorry. I found it. 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur lesquelles. Amen. Verse 23. 23? 2 and 3. You are epistles. Okay. You are our epistles written in our hearts, known and read all of men. For as much as you are manifestly declared to be a spittle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Amen. Not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Let us finish with 1 John 4:4. Angel. 1 John chapter 4, verse 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. You are of God, little children, and have overcome them. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Father Lord. Père, Seigneur. It's so hot now. Il fait chaud maintenant. As a human being, comme étant être humain, we want now the fresh, to be fresh now, Lord. Nous avons besoin de la fraîcheur. We know that when it's so cold, we want such kind of atmosphere and also temperature. Nous savons quand il fait trop froid, nous avons besoin d'une sorte où cette température. Forgive us because it's the nature of human being. Pardonne-nous, Seigneur, parce que c'est ça la nature de l'être humain. Sorry, Lord. Nous présentons nos excuses, Seigneur. Oh, Father, Lord, I want you to change the atmosphere now. Oh, Père, j'aime que tu changes cette atmosphère maintenant. I'm feeling so hot here, Lord. Je me sens chaud ici. Help us. Aide-nous, Seigneur. I want to talk about you. Nous voulons parler de toi. Anoint me. Ouais moi. Anoint my translator. Ouais aussi mon interprète. Anoint the church. Ouais aussi l'église. Open the hearts. Ouvre les cœurs. Of your children. De tes enfants. For the good understanding. Pour une meilleure compréhension. Fill them with the Holy Spirit. Oh, remplis-les avec le Saint-Esprit. Heal those who are sick. Guéris ceux qui sont malades. Deliver your children. Rends libre tes enfants. Bless your children. Bénis tes enfants. You said. Il a dit. I sent to them my word. And my word healed them. Je les ai envoyés ma parole et ma parole les a guéris. Jesus Christ. Jésus Christ. Your word. Ta parole. Set us free. Nous a rendus libres. Be it for your glory. Pour ta gloire, fais cela. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 God bless you. Que Dieu vous bénisse. I want to talk about deity of Jesus Christ today.
J'aimerais Daniel. Parler sur la divinité de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. The deity of Jesus Christ today. La divinité de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. 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 Yeah. You must know what is the deity of Jesus today. Vous devez savoir qu'est-ce que la divinité de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Now you can worship. Maintenant vous pouvez adorer. Amen. Amen. You know God, vous savez Dieu, before the foundation of the world, avant la fondation du monde, he was alone. Il était seul. Self-sufficient. Il était seul. Amen. Toi, amen. And we call him the name of Ella Elohim. Et il a le nom de Ella Elohim. Amen. Amen. He was covering everything. Il couvrait toutes choses. Now, maintenant, he said, I want to become a physic, to get a physic nature. Il a dit, j'aimerais devenir physique. J'aimerais Amen. Avoir une nature physique. Amen. Amen. Can you apologize me? Je présente mes excuses. Amen. Amen. Je présente mes excuses. Je sais Dieu va changer maintenant. Le weather ou bien la température. Voyez-vous il fait chaud. We ask our Father, you have to do it. Amen. Nous avons demandé à notre Dieu. Il va le faire. Okay. Now listen. Écoutez. Now God says, I want to be to get a physical nature. Amen. Dieu a dit, je vais avoir une nature physique. And now you become physique, become pillar of fire. You stand pillar of fire. Devenir physique, c'est ça cette colonne. Logos. Logos. That is the first form of God, Ela Elohim. C'est ça la première forme de Dieu, Ela Elohim. That one you see above Brother Branham. C'est lui que vous voyez au-dessus de frère. That is the first form of God in physical form. Amen. C'est ça la première forme de Dieu dans la forme physique. Now this we are calling it the word of God. Maintenant nous appelons ça la parole. You understand? Amen. It's logos, it's pillar of fire, it's logos, the word of God. C'est logos, c'est la colonne de feu, c'est la parole de Dieu. That you see, John says what? C'est pour cela que John chapter 1. John 1. At the beginning, au commencement, was the word. C'était la parole. Amen. Amen. And everything was made by the word. Et toutes choses étaient faites par la parole. And the word became a human being. Et la parole est devenue l'être humain. Amen. Amen. Now this pillar of fire, maintenant cette colonne de feu, start to create it now. A commencé à créer maintenant. Create angels. A créer des anges. Amen. Amen. Created the nature, ça a créé planets, la nature, les planètes. It's the pillar of fire who created everything. C'est la colonne de feu qui a créé toute chose. You can read it in Colossians chapter 1. Vous pouvez lire ça en Colossiens 1. Colossians chapter 1. Colossiens 1. Is that one who created everything? C'est la colonne de feu qui a créé toute chose. You are calling it the pillar of fire. Nous l'appelons la colonne de feu. Calling it logos. Nous l'appelons logos. And the word of God. Et la parole de Dieu aussi. Amen. Amen. And one day, un jour, now that pillar of fire, cette colonne de feu, started to use the people. A commencé à utiliser les gens. Amen. Amen. Started to use the people. Ça a commencé à utiliser les gens. He used Adam. Ça a utilisé Adam. And Adam failed. Et Adam avait échoué. Amen. Amen. Start to use again the prophet. Ça a commencé à quoi utiliser les prophètes. Use Noah. Ça a utilisé Noah. And Noah failed. Amen. Et Noah a échoué. Amen. Amen. Because God was looking for to become a human being. Parce que Dieu cherchait à devenir un être humain. Amen. Amen. Was looking for to become a human being. Dieu cherchait à devenir un être humain. Now he used again Abraham. Maintenant, ça a utilisé encore Abraham. Amen. Amen. Use Isaac. Jacob, Isaac, Jacob. Amen. Amen. All the prophets. Tous les prophètes. Until Moses. Jusqu'au Moïse. You know Moses met this pillar of fire in the bush. Vous Amen. Savez, Moïse a rencontré cette colonne de fer. He asked, "Who are you?" Il a posé la question. Qui est-ce? He said, "I am." Je suis. Amen. Amen. And the pillar of fire never tell Moses his name. Et la colonne de feu n'a jamais dit son nom à Moïse. Amen. Amen. Now the Jewish people, maintenant les Juifs, they were giving God the names according to the events. Ils accordaient les noms à Dieu selon les événements. You understand? Amen. Now when Abraham was in the bush without a sheep and discovered there was a sheep there, he said, "Ah, it's God, it's Jehovah Jireh." You see, he gave him the name according to the event. Amen. Amen. Quand Abraham était dans la brousse sans les moutons et il a vu les moutons, maintenant il a donné le nom à Dieu. Il est Jehovah Jireh. Do you understand? Amen. Because he provided for him. Parce qu'il avait pourvu pour lui. That he gave him that name. C'est pour cela qu'il lui avait accordé. That was not the name of God.
Mais cela n'était pas le nom. It's the name given to God according to the event. Amen. C'est le nom qu'ils attribuent à Dieu selon les événements. Amen. Amen. When now Abraham was so tired. Quand Abraham était fatigué. So tired. Trop fatigué. With hope. Waiting Isaac. Avec tout espoir, en attendant Isaac. He was so tired. Il était trop fatigué. And God came to him. Et Dieu est venu à lui. Genèse chapitre 17. Amen. Genèse 17. Like mother now. Like mother. Comme mother. Amen. Amen. Et he was called the El Shaddai. You understand? Et il l'a appelé El Shaddai. You understand? Vous comprenez? The father who can breast. The God can breast his child who is tired. Amen. Oh, le père qui peut allaiter son fils s'il est fatigué. Do you understand how the name were given to God? Vous comprenez comment les noms ont été donnés à Dieu? Now when they're fighting, quand ils combattaient. Now when there is the peace, quand il y a la paix. Oh, it's now Jehovah Shalom. You see, they give the name according to the heavens. Mais là, il pouvait dire Jehovah Shalom. Il pouvait donner le nom selon les événements. But they never discovered the name, the real name of God. Mais ils n'ont jamais découvert réellement le nom de Dieu. Amen. Amen. God started to use the prophet. Dieu a commencé à utiliser le prophète. Amen. Amen. It was Christ. C'était Christ. The pillar of fire. La colonne de feu. Started to use the prophet. A commencé à utiliser le prophète. Isaiah. Esaïe. Jeremiah. Jérémie. Amen. Amen. Until. Jusqu'à. Himself came. Lui-même est venu. In the form of Jesus. Dans la forme de Jésus. Now the Creator himself came now in the form of human being. Amen. Amen. Le Créateur lui-même est venu maintenant dans la forme de l'homme. Now that pillar of fire come to dwell to a human being. Poop inside of him. Mais cette colonne de feu là est venue habiter dans l'être humain. And he became. This body is not the body of Jew people. No. Ce corps ici, ce n'est pas un corps juif, non. This body, ce corps, there's no blood of Jew, no. Il n'y a aucun sang de Juif, non. There's no egg of woman here, a Jew woman here, no. Il n'y a pas l'ovule d'une femme. Amen. Non. It's God who created the egg and his blood created this body. That's worship. Amen. C'est Dieu qui a créé l'ovule et le sang. C'est pour cela. Tu vois ça? That you see God come to dwell in fullness this body because it was the body that himself created. Amen. C'est pour cela vous avez vu Dieu est venu habiter lui-même dans sa plénitude, dans ce corps. Amen. C'est lui-même qui l'avait créé. Tu vois ça? Vous comprenez? Now he created himself his body and he came to dwell in this body. Amen. Lui-même a créé son corps et il est venu habiter dans son corps. Amen. Amen. But Brother Branham says, le frère Branham dit, this is the blood of Charles Branham. Amen. Ça c'est le sang de Charles Branham. And Ella Branham. Et Ella Branham. Amen. Amen. Do you understand? Vous comprenez? This is the body of a human being. The blood of Irish people. Amen. Ça c'est un corps des êtres humains. Amen. Des gens d'Irish. Their fullness must be in the body made by God himself without the blood of human being. La plénitude doit être dans le corps fait par Dieu lui-même. Amen. Pas par un autre être humain. Amen. Amen. That's why today the fullness is in the mystical body of Christ. La plénitude est dans le corps mystique de Christ. It's the body that never created by human being. Amen. Le corps qui n'a jamais été créé par un être humain. It's the body created by God himself. Mystical body of Christ. Amen. C'est un corps créé par Dieu lui-même. Le corps mystique de Christ. Amen. Amen. Now when Jesus came, maintenant quand Jésus est venu, now God started to live in the human being. Dieu a commencé à vivre dans un être humain. Because all the prophets before Jesus, parce que tous les prophètes avant Jésus, God never be inside of the human being. Dieu n'a jamais été dans un être humain. Do you understand? Vous comprenez? Even Abraham, même Abraham, even Isaac, même Isaac, even Joseph, même Joseph, Isaiah, Isaïe, Jeremiah, Jérémie, all Daniel, Daniel, all the prophets, tous ces prophètes, never, all spirit in them, never. They never received the Holy Spirit. N'ont jamais reçu le Saint-Esprit en eux. Even Moses, amen. Moïse, amen. They got only the law. Ils ont eu seulement les lois. And the anointing was leading them. Amen. Et l'onction les conduisait. The first time. Premièrement, that the first time that God came to dwell in human being, it was in Jesus Christ. La première fois que Dieu a habité dans un être humain, c'est en Jésus Christ. Now God sanctified the body of human being. Maintenant Dieu a sanctifié le corps de l'être humain. And he started to live now in the human being. Et il a commencé à vivre ou habiter dans un corps. Amen. Amen. That you see now Peter came. C'est pour cela que vous voyez Pierre est venu. Amen. Amen. He said,
Listen. Il a dit, écoute, I don't have money to give you. Je n'ai pas de l'argent pour but vous. I have somebody in me. Mais j'ai quelqu'un à moi. Amen. Amen. In the name of Jesus Christ, raise up and walk. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. And Paul came. Et Paul est venu. He says. Il a dit. In Galatians chapter 2, verse 20. En Galatiens 2, 22. Amen. 20. It no longer means living is Christ living through me. Amen. Ce n'est pas moi qui vivais, c'est Christ qui vivait. It means the portion of pillar of fire was in Paul. Ça signifie tout simplement la portion des colonnes de feu était en Paul. The portion of this cloud was in Paul. Amen. La portion de cette nuée était en Paul. The portion of pillar of fire was in Peter in disciples. Amen. La portion de cette colonne de feu était à Pierre et dans ses disciples. Amen. Amen. Because Jesus says, parce que Jésus a dit, I have to go. Je dois partir. I have to come back. Et je dois revenir. I will be with you. Je serai avec vous. Even in you. Même en vous. Until the end of the world. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Now Jesus is the seed. Maintenant, Jesus is the seed. Jésus est la semence. That we sow. Que nous avons semé. Amen. Amen. Now when you sow a seed. Quand vous semez une semence. There's a plant, né? Il y a une plante. You have to produce the fruit. Ça va produire le fruit. It's going to produce one fruit. Est-ce que ça va produire un seul fruit? Non. Non. That you see today. C'est pour cela. We get more Jesus Christ. Amen. Nous devons voir Christ. Amen. Amen. Devons voir. This is the mystery of the deity today. C'est ça le mystère de la divinité aujourd'hui. Now God start to use the people. Maintenant tu as commencé à utiliser. Amen. Amen. God now start to work in human being. Dieu a commencé maintenant à travailler dans. Alléluia. Amen. God stopped to be in heaven. Dieu a arrêté d'être au ciel. When Moses was working, quand Moïse travaillait, when Moses was preaching, quand Moïse prêchait, and the prophet, et le prophète, God was above. Dieu était au-dessus. The pillar of fire. La colonne de feu. When Jesus came, quand Jésus est venu, God was with us. Dieu était avec nous. In Jesus Christ. En Jésus Christ. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Is Jesus in us. Il est Jésus en nous. God in us. Dieu est en nous. Do you understand? Vous comprenez? God above us. Dieu au-dessus de nous. Pillar of fire. La colonne de feu. God with us. Dieu est avec nous. With in Jesus Christ. En Jésus Christ. Today. Aujourd'hui. Is God in us. C'est Dieu en nous. Amen. Father. Père. Amen. Above. Au-dessus. Son, Fils in Jesus. À Jésus. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. In the church. À l'église. Alléluia. Amen. Today. Aujourd'hui. The Creator. Le Créateur. Is in the human being. Est dans un autre humain. We are looking for God, né? Vous cherchez Dieu. You want to see God? Vous voulez voir Dieu? Want to see God now? Qui veut voir Dieu maintenant? Want to see God? Qui veut voir Dieu? Do you believe Brother Branham? Right, vous frère Branham. Do you believe Brother Branham? Right, vous frère Branham. He's going to show us who is God today. Il va nous montrer qui est Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Because we are living in the dead function of God, né? God is a Holy Spirit. Amen. Parce que nous sommes en train de vivre dans la troisième office ou fonction de Dieu, qui est comme le Saint-Esprit. Let us read now. Nous allons lire maintenant. Brother Branham to show us today who is God. Frère Branham va nous montrer aujourd'hui. Amen. Amen. God is the Lord Jesus Christ. Oh, Dieu. Amen. Et le Seigneur Jésus. That is the name of God. C'est ça le nom de Dieu. Alléluia. Amen. But the place to worship. Mais le lieu d'adoration and the object to worship, et l'objet d'adorer, God have to use the human being. Dieu a utilisé l'être humain. Let us read Brother Branham. Les offres Branham. In the brochure. Dans la brochure. Do you believe prophet? Croyez-vous ou en tombe? La divinité de Jésus Christ. The deity of Jesus Christ. Do you believe the prophet? Croyez-vous le prophète William Branham? If you believe, you're going to receive something today. Si vous croyez, vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui. Prêchez le 25. Décembre 49. 25 décembre 1949. Nous allons lire paragraphe 76 jusqu'à paragraphe 80. We're going to read quotation 76 up to. Pay your, give me your attention now. Accordez-moi votre attention. Là-dessus, Jésus a dit. Jesus said in there. Ces choses que j'ai fait. These things that I do. Vous les ferez aussi. You shall do. Et vous en ferez de plus grandes que celles-ci. Car je m'en vais au Père. And greater than this, for I go unto my Father. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici ce qu'il a dit. Here is what he said. J'ai dit là-dedans. In the. Amen. Amen. Dans la parole. In the word par. Il a dit. C'est, si vous demeurez en moi, if you abide in me, et que ma parole demeure en vous, and my word abide in you, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Ask what you will, and it shall be given unto you. Do you believe it? Croyez-vous cela? 78. 78. Mais voilà là, but oh my, nous sommes tenus sur ce rocher. We stood on that rock. What is the rock?
When say we stand up on the rock, this is the rock, this pyramid. Où est le rocher? Quand nous disons nous nous tenons sur les rochers. Do you see this pyramid? This is the rock where you have to stand up on. C'est ça le rocher sur lequel. Do you understand? Amen. Rock of ages. Oh, le rock des âges. The seven ages. Yeah, les sept. The rock is there. It means that you must get these seven virtues, seven thunders. Amen. Ça signifie tout simplement, vous devez avoir ces vertus, ces tonnerres. Amen. Amen. You must have virtue. Vous devez avoir les vertus. You must have faith, virtue. Vous devez avoir la foi, vertu. Knowledge, la connaissance. Temperance, la tempérance. Patience, la patience. Godliness, la piété. Brotherliness, l'amour fraternel. Amen. Amen. You must have the seven virtues in you, seven thunders in you. You become yourself a thunder. Alléluia. Amen. Vous devez avoir cette vertu en vous, cette vertu en vous, vous devenez le tonnerre. Amen. Amen. These are the thunders. Amen. Ça, ce sont les tonnerres. Now you become a rock. Amen. Vous devenez un rocher. Now you say, I'm standing up on the rock. I'm myself a rock. Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez dire, je me tiens sur les rochers. Et moi-même, je suis le rocher. Jesus is the rock. Amen. Jésus est le rocher. When you have these virtues, you become a rock. Amen. Quand vous avez ces vertus, vous devenez les rochers. Si vous avez ces vertus, vous devenez des rochers. When you have these virtues, you become a rock. The rock where we can get the water to drink. Amen. Oh, les rochers sur lesquels vous pouvez avoir de l'eau à boire. Do you believe it? Ouais, vous êtes là. Moses, Moïse, in the wilderness, dans le désert, they were so thirsty. Ils avaient soif. They said, take your stick. Ah, il a dit, prends ton bâton. And now, take the golden. And now, you can beat the rock. And the water have to come out from there. Alléluia, va avec le bâton là-bas. Frappe sur le rocher là. Et de l'eau va sortir de là. Alléluia. Amen. And that rock. Et ce rocher là. Is Jesus Christ. C'est Jésus Christ. Today. Aujourd'hui. You can become also a rock. Toi, tu peux devenir aussi là. Somebody so sick to come to see you. Oh, quelqu'un malade vient te voir. Somebody suffering come to see you. Quelqu'un souffre vient te voir. Somebody has a concern come to see you. Quelqu'un a une situation. You must become a rock. Tu dois devenir. Venez les rochers. Do you understand? Vous comprenez? That you are saying the rock of ages. C'est pour cela que nous parlons les rochers des âges. Alléluia. Amen. You will understand one day. Vous comprendrez un jour. 78. Voilà la suite. Et nous sommes tenus sur ces rochers. But oh my, we stood on that rock. C'est vrai. That's true. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Until the baptism of the Holy Ghost. Et maintenant, and now, la puissance du Dieu Tout-Puissant. The power of Almighty God a pris forme dans l'église. Is formed in the church. Et elle est en train de se répandre. Coming forth. Alléluia. Alléluia. Je suis dans l'attente de l'ère où Dieu va secouer toute la chose partout. I'm looking for when God is going to share the world faith. Friend, the world, brother. C'est déjà en cours. It's already in a session right en ce moment même. Right now. Ça continue, c'est vrai. It's going on. That's right. 79. 79. Sa divinité à lui. The deity of him. Qui est-il? Où est-il? Certains d'entre eux font de lui un petit bébé de ce temps-là. Alléluia. Some of them make him a little baby, but there. Il est celui qui s'éteint sur l'invisible plateforme. He is the one that stood on the invisible, oh my, platform. Oh là là, qui étendit ses mains, parla et dit. Wrapped out his hand and spoke and said. Que la lumière soit. Let there be light. It's Jesus. C'est Jésus. Élie la lumière. And there was light. C'était Jésus Christ. That was Jesus Christ. Et est-ce qu'on peut acclamons nos mains. When we read in the Genesis, when the God said that, let be the light, Abraham said that it's Jesus who pronounced that word. Amen. Vous lisez en Genèse, quand Jésus a dit, laisse qu'il y ait la lumière, c'est Jésus qui avait prononcé cette parole-là. Car il était dans le monde. For he was in the world. Le monde a été fait par lui. And the world was made by him. Et le monde ne l'a point reconnu. And the world recognized him not. Il est la divinité de Dieu. He is the deity of God. With the deity of God is Jesus Christ. Amen. La divinité de Dieu, c'est Jésus. Remarquez ce qu'il fit, j'ai dit. Look what he did back there. Vous parlez du surnaturel. Talk about the miraculous. Dans les jours passés, back there, vous parlez de cris. You talk about shouts. Lorsqu'il accomplit des choses miraculeuses, when he performed the miraculous things, pour créer des choses qui existent, to make things which are now, maintenant à partir de celles qui n'étaient pas, il parla et il en fit ainsi. As of things which was not, he spoke and it was so. 80. Et cette même puissance, and that same power, ce même Christ, that same Christ, alléluia, alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, let the fundamentalists, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse.
Let some people who deny the power of God say it's wrong. Mais la même puissance qui a appelé le monde à existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. That same power put to the world into existence is in those people that's got the Holy Ghost. The power created who pronounced the word is in a human being. Somebody who has the Holy Spirit have the same power. Amen. Created also. Amen. La puissance créatrice, la puissance qui avait créé est dans un homme rempli du Saint-Esprit. Il peut aussi prononcer la parole. Mais I believe, Brother Branham. Moi, je crois vraiment. Mais when I read, I believe. Because I'm living it. In my life. Je crois parce que je vis cela dans ma vie. To understand something is to believe it. Now you can understand, Brother Branham. Amen. Amen. When you say that the power created in Genesis is in the human being that those who have the Holy Spirit. May I believe it? It's true. Amen. Quand il dit la puissance qui a créé dans la jeunesse, aujourd'hui est dans l'être humain. Moi, je crois cela. C'est vrai. C'est vrai. That's right. Hommes et femmes. Men and women. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. In time that we found out who you are. Le diable essaie de vous barrer la route. The devil is trying to hide you back. Vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Tell you that you are some little coward. Vous ne l'êtes pas. That's something you're not. Vous êtes fils et filles de Dieu. You are sons and daughters of God. Say I'm the son. I'm daughter of God. I'm son of God. Dites que je suis un fils de Dieu. Say it again. Fils de Dieu. Now, if you are the son of President Ramaphosa, somebody can play with you. Est-ce que si tu es un fils de président Ramaphosa, quelqu'un peut jouer avec toi? You can go to the shop to get something somebody refuses to give you. Est-ce que peux-tu aller au shop pour avoir quelque chose et quelqu'un te refuse? You can sell on something. Something is happening. And you bring me that car. You have to bring it then on your way. The son of President Ramaphosa, if you go somewhere and say, hey, say, that guy is how much? 1 million, bring it to my house. That guy is going to refuse. Est-ce que l'office de Ramaphosa, s'il parle, on va le vécu. Si cette Range Rover, c'est combien, amène ça à la maison. Est-ce qu'il va refuser? Non. Alléluia. Amen. The word of the son of our president can make movement, something happen. But what about you? Your word, God of God, son of God. You don't know who you are. La parole juste d'un fils ou bien d'un président Ramaphosa, s'il parle, ça peut bouger son fils, ça peut bouger ce pays-ci. Encore une plus forte raison, vous qui êtes le fils de Dieu et le fils de Dieu, vous ne savez pas qui c'est. You, je vous dis, Ramaphosa is child come here. Si l'enfant de Ramaphosa vient ici, he say, listen, il dit, écoutez, I don't like to see this church in this place. Je n'aime pas voir cette église ici à toi. First, they have to obey him, isn't it? Premièrement, nous devons d'abord l'obéir. Do you understand? Amen. We don't respect him, we respect who is behind him. Amen. Nous ne le respectons pas, mais nous respectons celui qui est derrière. His father. Son père. You also. Vous aussi. The demon don't respect you, they respect who is behind you, who is in you. Amen. Vous... The Holy Spirit. Alléluia. Christ. Les démons ne vous respectent pas vous, mais les respectent ceux qui sont derrière vous et celui qui est à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit. Continue. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Alléluia. Oh, God. You sons and daughters of God, the death is not in heaven. Is Say it? Amen. Amen. Say amen. Dites amen. The death is no longer in heaven. La divinité n'est plus au ciel. Our Father who is in heaven, where is Oh, notre Père qui est au ciel, où est le ciel? Where is the heaven? Où est le ciel? Our Father who is in heaven. Notre Père qui est au ciel. You don't know how to pray. Vous ne savez pas comment prier. You must know where is the heaven. Vous devez savoir où est le ciel. Hallelujah. Amen. You must know what is heaven. Vous devez savoir qu'est-ce qu'est le ciel. And you see the people they imagine Amen. When they pray, our Father is in heaven. They think those things. Those things, physical things, is a planet. It's not heaven. Amen. Amen. C'est pour cela. You must know what is the heaven. Where is the heaven? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que les gens sont là avec trop de fiction, en train de regarder des nuages ici. Oh, notre Père qui est au ciel. Ça, ce n'est pas. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que le ciel. That is no longer in heaven, is in earth. Amen. Terre n'est plus au ciel, il est sur la terre. Alléluia. Amen. Oh. Elle est sur la terre. You must understand these things. You become, you have to become the Christian. Vous devez comprendre ces choses. Me, I know it. Moi, je le sais. That you see when I pray, God answer. C'est pour cela que quand je prie, God, I discovered this secret. Amen. Parce que j'ai découvert ce secret. Of deity. De la divinité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez, frère Branham? La divinité n'est pas au ciel. The death is not in heaven. Ah, frère Antoine, c'est vrai, oui. Brother Antoine, is it true? Yes. Où est le ciel? C'est what is heaven? Elle est en vous. It's in you. C'est, deity is in me. Dites, la divinité est en moi. Vous dormez?
Are you sleeping? Please wake this up. Thing must make you movement. La divinité est à moi. Say the death is in me. Say it. Dites cela, vous. Vous. La, moi, je crois, la divinité est à moi. I believe the death is in me. Le ciel est à moi. The heaven is in me. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je crois Branham. I believe Brother Branham. Les gens qui disent, nous adorons Branham, ils n'adorent pas Branham, ils ne croient pas Branham. People who say, croire Branham, c'est ça. Alléluia. Voir ce qu'il dit, voir ce qu'il dit là, dans ta vie, c'est ça, croire frère. Amen. People who say, we believe Branham, but they don't believe it. To believe Branham, ils disent qu'ils adorent, ils n'adorent pas. What he says? Ils ne croient pas. They don't believe it. Croire Branham. To believe Branham. C'est ça qu'ils disent, tu vois ça dans ta vie, c'est ça, croire Branham. To see what he says in your life, that is to believe Brother Branham. Moi, je suis un croyant 100% du prophète Branham. Je le crois du fond de mon cœur. Parce que je vois ce qu'il a dit, ça passe dans ma vie, c'est la vérité. That's true. I'm a believer, 100% believer of Brother Branham. Simply because I see what he says happening in my life. Alléluia. Amen. This man revealed the truth. Cet homme a révélé la vérité. If you live what this man pronounce in his mouth, you have to become God. Amen. You have to become like him, like Jesus. Alléluia. Si vous vivez ce que cet homme a prononcé de sa bouche, et vous vivez cela, vous allez devenir comme le Dieu. Comme lui. C'est pourquoi vous voyez, that's why ici, on envoie nos dieux. We can send a voice message. Amen. Une femme qu'on coupait la jambe. Ah, elle est là-bas tout. Quand elle est au Nigeria. In Nigeria. Il a coupé la voix de quelqu'un. Listening to the voice message. Il voit le bienfait. Coup, coup, coup. Elle se met debout. Il guérit. Voilà le Dieu de Branham. And she sees the legs. Well healed. That is God of Branham. Alléluia. Dieu a créé par la parole. God created by the word. Et ta parole doit devenir la parole de Dieu. And your word. Le prophète Branham dit, Branham says, aujourd'hui, today, ce n'est plus même la parole. It's not only the word. Branham dit que, Branham c'est la pensée. Today is the thought. Do you understand? Vous comprenez? Branham said that. Aujourd'hui, our generation, not the generation, is not no longer the word. Ce n'est pas encore la parole. Maybe I'm going to read it. Amen. Now us is the thought. Nous, c'est seulement la pensée. Branham said that you don't know who you are. Branham dit, vous ne savez pas qui vous êtes. He said, it's not even the word, it's your thought. Pas même la parole, c'est même votre pensée. You are thinking like this. You think about something that happened. Vous pensez si quelque chose est en train de se passer. But that is our generation. C'est ça notre génération. He said, don't those people, that thought is speaking loudly. Oh, leur pensée parle plus fort devant mon trône que leur parole. My brother, mon frère, every time, à tout moment, when I want to drive my car, quand je veux conduire mon véhicule, I have my remote, né? J'ai ma télécommande. When I say pop, I see it's open. Quand je fais comme ça, automatiquement ça s'ouvre. You make pop, it's closed. Tu fais comme ça, ça s'ouvre. You can see the cable. Amen. Amen. You can see the cable. Tu ne peux pas voir le câble. You believe. Tu crois? When I do like this, something is going. Quand je fais comme ça, ça va s'ouvrir. The science, amen. La science, start to present with us. Commence à présenter avec nous. It's us must be in more than those things. Our thought must be above those things. When you think the door open, when you think the car open, it's us. Amen. C'est nous qui allons les influencer. C'est nous qui allons être les décider de toutes ces choses. Alléluia. Quand nous passons, la porte s'ouvre. Quand nous passons, la voiture s'ouvre. The day the science have to discover the atomic secret, the way we create the things, it's this time. You see, they discover atomic, man. Perhaps they won't even know about the pyramid of Egypt. It's this time they discover it. You see, you make something further open. It's our time of atomic. Now you also, your thought must be above that science. Amen. Amen. Frère Branham dit, le jour que ces gens-ci découvriront l'atomique, la science va beaucoup évoluer. Vous voyez, ils ont déjà découvert cela avec les mots ici. Comme je suis ici à l'église, peut-être à la maison là j'ai une voiture. Je fais papa papa, la voiture s'ouvre là-bas. Vous voyez, nous, devant ce jour, dessinez ces gens-là. I said this science proves this power. La science nous a prouvé sa puissance. But as Branham said that only your thought make movement of things in the world. Amen. Your thought, not even your word, your thought. Frère Branham dit seulement votre pensée fait bouger les choses dans la vie. Votre pensée seulement, pas la parole. Branham was driving. Frère Branham conduisait. There were three guys in the car. Il y avait trois messieurs dans la voiture. They make an accident. Et ils ont connu un accident. All the car. The car freeze, non? Ouais, ouais. La voiture cognée. No way to open. La voiture était vraiment fauchée. Il n'y avait pas moyen de l'ouvrir. Branham came with the car and stopped. Frère Branham est venu avec sa voiture et s'est arrêté. Amen. Amen. Now there were no way. You know, all the, they were dying. Now Branham stopped his car.
Vous voyez, tout le monde était à l'intérieur de la collée, chiffonnée, il n'y avait pas moyen d'ouvrir la voiture. Amen. Frère Branham a tourné cette voiture la première fois. Again. Encore deuxième fois. He addicted time. Je pense peut-être trois fois. Only when it turned, the car came boom, 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 and the car became normal, and those trucks came out. Hallelujah! Amen. Jusqu'à il a tourné, la voiture est devenue normale, et les enfants là étaient sortis de là. Amen. Amen. One day, un jour, one guy, and he found other people without petrol. Il a trouvé d'autres gens sans pétrole. What? Stuck. Ah non, pétrole. Quoi? Frère Branham, on n'a pas le pétrole. He put there. Il a juste posé sa main. And said, go. Allez. And the guy opened. It was full in the tank. C'était full dans la voiture. No, the guy every time the only full. He throw his guy. Oh, what is this magic? This is our time to see the supernatural things. Les gars étaient surpris de voir les réservoirs full. Oh, ça c'est la magie. Alléluia. C'est notre temps. Amen. Amen. This I'm preaching you. C'est ça que je vous prêche. You have to do it also. Vous devez le faire aussi. If science, si la science, by remote, par la commande, you make like this, the big gate open, the big gate, you make only something, the big gate. Avec the power. Amen. Avec une petite télécommande seulement, tu boutons le seulement comme ça, tu vois la grande porte s'ouvre. You must yourself be ashamed of these things. Must be ashamed. Vous devez avoir honte de ces choses. Frère said that this time it's not even word, it's your thought. Something happened. Frère Branham dit, ce temps-là, ce n'est pas même la parole, c'est juste votre pensée et quelque Amen. Chose se passe. Amen. Let us continue. Continuons. We are talking about the deity of Jesus Christ today, né? Nous parlons de la divinité de Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Ok. Nous sommes paragraphe combien? 80 en bas. Alléluia. Amen. N'est pas, la divinité n'est pas au ciel, elle est en vous. The deity is not in heaven, is in you. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. I know you think I'm crazy. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. But let me tell you something. Frère Branham tape trois fois, c'est la chair. Brother, when you realize that, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu tout-puissant vit en vous. When you realize that Almighty God lives in you, ah, brother Branham, la vie immortelle, immortal life, je donne ma vie, Zoé, my life I give, Zoé, la vie de Dieu.